Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve dans un nouvel épisode de Minecraft Hardcore. On continue le défi d'Atlif. On est niveau 23, donc je rappelle que l'objectif là pour l'instant c'est d'arriver niveau 25 pour pouvoir passer à l'âge de pierre. Je remercie beaucoup Oswald qui a eu de très chouettes idées pour la suite. On va en utiliser beaucoup, je pense. Donc merci à lui, c'était top. Allez, on mange un petit peu, il pleut toujours. Je vais essayer de récupérer un peu de bois tant qu'il fait jour. Hein. Et on va continuer à progresser hein, en expérience. Il faut qu'on atteigne le niveau 25 et on pourra enfin se faire des outils en pierre. Je voulais continuer un petit peu avec les outils en bois, mais je pense que c'est bon là. Niveau 25, on va se l'autoriser. Ah, il pleut plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, on continue par là. Donc, je sais toujours pas vers où je me dirige. Hein. Mais c'est pas grave, on va au hasard. Donc, ouais, niveau 25. Je fais petit résumé vite fait pendant que je cherche des animaux. Je m'autorise les outils en pierre. Je pourrais enfin miner du charbon et de la pierre. Ça va faire beaucoup de bien. Le charbon, rien que pour faire un feu de camp, du coup on pourra se faire de la nourriture cuite. L'armure, hein, on reste en armure de cuir hein, pour l'instant. Et du coup avec le charbon, on pourra aussi se faire des torches. Ça sera bien. En nourriture, donc du coup viande cuite, mais pas d'agriculture hein, pour l'instant. On verra ça à un âge un petit peu plus avancé. Toujours pas s'approcher d'un village hein, pour l'instant. On est encore un petit peu trop sauvage. Et possibilité de se faire un lit aussi. Ça va être un grand soulagement. Sauf que, voilà, je ne m'autoriserai qu'à dormir que quand il y a des fantômes. Sinon, je ne serai pas... Comme je suis encore nomade, pas encore sédentaire, je ne m'autoriserai pas à dormir plus que ça. Mais déjà, voilà, on aura des outils en pierre. Ça sera bien. Et on est niveau 24, hein, donc on va y arriver, là. Hop, je vais abattre un autre arbre, vite fait. Bon, après, il va être long à monter ce niveau, je sens, mais peut-être qu'avant la prochaine nuit, hein, on va y arriver. Ça serait bien. Parce que là, c'est sûr. Je sais plus. Oui, je pense que je vais avoir droit aux fantômes. Oula, j'allais dire, il y a des animaux à tuer, mais non, on va éviter eux. On va plutôt se rabattre sur les poulets, hein. Et se défendre un peu moins. C'est un peu moins courageux, mais bon. Allez. On voyage, on voit du pays. J'ai entendu des poulets quelque part, mais bon, c'est pas grave. Franchement, je pensais pas arriver à ce niveau-là en hardcore. Hein. C'est vraiment ma première partie. Et ça se passe plutôt bien. Après, je sais pas combien de temps ça va durer. Hein, parce que Oswald a eu de super idées même pour la suite, hein, pour après... le niveau 30, niveau 35, il a plein d'idées. Mais après, j'espère que j'aurai l'occasion de les tester. Ça, c'est autre chose. Bon, il n'y a plus d'animaux, quoi, là. Ça y est, j'ai dépeuplé le monde entier. C'était les derniers animaux. Parce que là, j'arriverai pas à monter de niveau, là. Si je trouve personne... Ah. Allez. Hop. Et l'XP. Hop. Ah, des vaches, ça c'est bien. J'ai même pas... De toute façon, je parlais de village, mais je n'en ai pas rencontré un seul pour l'instant.
faire. Mais on n'y touche pas. Allez, oh là là. Ouais, c'est vrai que ça augmente pas vite, hein, les niveaux. Oh là, ouais. On arrive presque déjà à la mi-journée. C'est pas sûr du tout que j'arrive au niveau 25. Faut que j'ai un maximum d'animaux là. Ouais, faut que j'aille tenir du poulet. Hop. On va essayer d'éviter de blesser un loup, hein, sans faire exprès. Hop, allez, on avance par là, au hasard. J'ai parfois l'impression de passer à certains endroits, mais bon. Ça se ressemble un peu, hein, par moment, faut dire. Pas vu de jungle encore. Bon, en nourriture, j'aurai un stock d'avance, hein. Ça m'étonne toujours quand on tue des cochons que ceux qui sont à côté réagissent même pas. J'ai l'habitude de jouer en modé et c'est vrai que j'aime bien mettre des modes où ça fait fuir les animaux quand on en tape un à côté. C'est un petit peu plus réaliste quand même. Là, ils sont vraiment passifs. Ah bon, t'es en train de tuer mon copain, ok. Allez, je suis même pas à la moitié du niveau là. Bon, allez, encore un peu d'animaux. Petit cochon. Je pensais me faire des haches avant la nuit, hein. Oh, des baies, ça c'est bien ça. Bon, pour l'instant, je pourrais pas les planter, mais... Parce que je suis pas encore capable, entre guillemets, de faire de l'agriculture. Allez, petits animaux. Ah, des vaches encore. On y croit. Ici. On doit le voir là dans les... Pas dans les progrès, mais dans les statistiques. Le nombre d'animaux tués. Je pense qu'il faudrait que je regarde ça, tiens, par curiosité. Combien j'ai tué d'animaux pour atteindre le niveau 25. Bon, j'ai pas tué que des animaux, mais... Allez. On avance. Pas vu là des cochons là? Non, pas du tout. Si je commence à en voir maintenant. Il est où le soleil? Le soleil. Où est-il? Je le vois même pas. Je suis trop dans la forêt là, je vois rien. On avance, on verra après. Il y a à nouveau des montagnes ici. Cochon, cochon. Je crois que le soir... Oh là là, le soir va déjà... Le soir arrive déjà. Bon, avant qu'il soit trop tard... On va se faire d'autres haches. Les fleurs, on va jeter là pour l'instant. Hein. Hop. Ça devient urgent. J'ai trop de trucs là. Pour l'instant. Oh, qu'est-ce que je peux jeter? Ouais, là, par exemple, cette laine là. Hop. Je commence à avoir vraiment beaucoup de choses, ouais. On va jeter, allez, les os pour l'instant.
Bon, les graines pour l'instant, hein, je peux pas faire d'agriculture, ça sert à rien. Et la carotte aussi. Oh là là, j'ai plus de place. Bon, ça aussi, hein, les baies. Hop, restons. Bon, on se refera une table de craft. Bon, allez. Là, c'est bon, là, cette nuit-là, c'est sûr qu'on passe au niveau 25. Par contre, on va essayer de survivre. Maman, oui, j'ai mon armure, tout va bien. Ah, oh, du charbon. Bientôt, bientôt. On essaie de passer par là. Allez. Allez, premier zombie de la nuit. Yes, oh oui, ça va vite là. Ça va vite, ça va vite. On a plein de charbon ici. Si je restais dans la zone, je pourrais récupérer du charbon rapidement. Squelette, non, bébé zombie. Là, on n'a pas le choix. J'entends un autre zombie. Allez, c'est bon, on va passer niveau 25. Yes, on est niveau 25. Je peux miner de la pierre. Oh là là. D'abord, on va se débarrasser de tout ce petit monde. On va faire attention quand même. Allez. Oh là là. Ah non, elle a là. Mourir ici, ça serait vraiment trop bête. Allez, faut que la vie remonte là. Par contre, il n'y a pas de fantôme, donc je pourrais pas passer la nuit encore. Mais c'est pas grave. Allez, on se fait notre table de craft tout de suite. Et on va se faire une pioche en bois pour l'instant. On va prendre XP, hein. On va se prendre... oui. Non, de la pierre d'abord. On va se faire une première épée en pierre. Et une pioche. Allez, hache de pierre, nickel. On surveille les alentours quand même. Ça va faire du bien. Bon, alors, faisons les choses comme il faut. Ah, j'ai plus de bois, évidemment. Voilà. Ah bah j'avais déjà des sticks quand même, mais c'est pas grave. Donc, oups. Et je vais pas y arriver, hein. Allez, reprenons, vite. Hop, pioche en pierre. Ça, c'est bien. Et on va se faire des petites haches. Hein. Ouais, on va pas se faire des puits, on va se faire des haches en pierre aussi. Hop. Oh, j'ai plus de stick, vraiment. Je n'ai plus de stick. On va s'en faire d'autres. Allez. Non. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, voilà. Et là, je perds du temps un peu bêtement. Et on va pouvoir se faire un feu de camp. Non, mais ça va être trop bien.
qu'il y a personne à l'horizon. Hop, on en profite. Je manque un peu de bois. Allez, on va tester notre nouvelle hache. Qui évidemment est un peu plus rapide. Hop, on revient là-bas. Ah, petit zombie. Allez, on va tester la hache sur toi. Bien. Les fantômes. Vite, allons nous mettre à l'abri. Donc, là, je préfère un lit. Il faut juste que je trouve à m'abriter. Ah là là. Vite. Ils sont là. Est-ce qu'on est protégé ici? Du coup, j'ai laissé ma table de craft. On va en faire une autre. Ouf! Des planches et puis on se fait un lit hein. On va se le faire gris. Ah non, noir, j'en ai pile 3. Allez, impeccable. Écoutez, on va tester hein. super. Donc là j'ai passé la nuit, comme il y avait les fantômes j'ai le droit, je m'accorde le droit, et donc les prochaines nuits non. Il faudra continuer. Oh là là, il y a du monde ici. Ah, on peut peut-être se faire un peu d'XP encore. Ah, trop tard. S'il y a ces deux-là. Bien. Ouais, j'ai récupéré la table de craft. Allez, on va se faire un feu de camp. On est bien là dans ces montagnes là, ça pourrait plaire à Atlif ici. Allez, on se fait un petit feu de camp et puis je vais commencer à faire cuire de la nourriture. Ça va être bien. Ça va être très bien. Alors je ne sais. Faut juste que je me retrouve un petit peu le feu de camp déjà. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, il me faut des bûches. Des bûches. Bon. On va bouger un petit peu. On va chercher. Là, il y a un arbre là-bas. Allez, on déplace. Des pommes. Bon, en tout cas, c'est nickel. On a atteint l'âge de pierre. C'était pas forcément évident pour moi, mais on a réussi. Ça, c'est top. Jeter tous mes trucs en bois là du coup parce que ça me prend énormément de place et on n'a pas besoin de tout ça. Hop. Même la pioche en bois, hein. Hop, c'est fini, plus besoin. Allez, notre petit feu de camp. Que me manque-t-il? Ah oui. Ça sera mieux comme ça. Non, pas forcément, c'était pas ça qu'il fallait. Mais c'est pas... Ah mais non. Oh là là, oh là là, j'ai pas assez de sticks, non mais n'importe quoi. Et bon, et hein, c'est un commentaire, s'il vous plaît, merci beaucoup. Non mais voilà, j'arrive juste à l'âge de pierre, hein, c'est pour ça, hein, j'ai mon cerveau encore un petit peu de mal. Bon mais top, je vais m'installer, je ne sais pas trop où pour l'instant, enfin de toute façon c'est pas vraiment une installation, hein, puisque je me déplace sans arrêt, c'est juste histoire de faire cuire la nourriture. Peut-être pas rester en haut de la montagne, allez on va descendre un peu par là-bas.
Et ouais, on va s'installer un petit peu, faire cuire la nourriture. Et on sera déjà pas mal. Allez, il y a un petit renfoncement là, ça va être bien ici. Ça va être bien. Allez, le feu de camp. Et on pose notre nourriture. Super. Voilà, donc on est encore nomade, hein, on va pas rester ici. Mais on va se poser quelques instants ici. Allez, je récupère un petit peu de pierre pour me faire des outils supplémentaires. Et on sera pas mal. Allez, ça y est. Première nourriture cuite. Ça, c'est bien. Évidemment, ça va beaucoup mieux, hein? C'est beaucoup mieux quand on mange un peu de nourriture cuite. Allez, on a suffisamment de pierres pour l'instant. Tenez, on va se faire une petite pelle. Hop. On va délimiter le tour de notre feu de camp. De toute façon, je reste là le temps que de faire cuire ma nourriture, hein. Mais on restera pas. Mais voilà, ça laissera une trace de notre passage. Allez, écoutez, ben, j'espère que cet épisode vous a plu, hein. Ouais, je crois que c'est temps d'arrêter. On a atteint le niveau 25, on a atteint l'âge de pierre. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre devant nous, hein. Nous reste à maintenant atteindre le niveau 30, mais ça devrait être un peu moins compliqué, même si ça va être un peu long, mais moins compliqué parce qu'on est un peu mieux équipé. Donc, prochain objectif, niveau 30. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois, et on se retrouve bientôt. Ciao!